Bonjour à tous, petite vidéo concernant le délégué des listes titulaire et suppléant. Alors que nous soyons bien clairs sur ça, le délégué de liste titulaire, c'est pas forcément un agent de la ville. Ça peut être n'importe qui à partir du moment qu'il est désigné par le syndicat. Donc par exemple, ça peut vous arranger lorsque vous créez des listes de sympathisants et que bon, les gens sont peut-être pas forcément un peu chauds pour être délégué de liste titulaire et pensent que c'est une tâche incroyable, mais bon, pourtant on en reparlera. Concernant le délégué suppléant, alors, le texte dit bien « peut », c'est pas « doit », donc il n'y a pas d'obligation de mettre un suppléant. Mais si on veut le mettre, on le met, en général, on le met tous, parce que si le titulaire a un problème, c'est le suppléant. Le rôle de ces agents qui sont titulaires, et suppléants, sont délégués de liste, est très important. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, ils déposent la liste, ils récupèrent le récépissé. Donc ça, c'est la première des démarches. Ensuite, quand il y aura... Par exemple, quelqu'un qui partira en mutation ou qui sera en congé de longue maladie, on demandera au délégué de liste qui a été déposé, donc si ça se produit en 2023 par exemple, malgré que les élections ont lieu en 2022, on demandera donc au délégué de titulaire de dire qui il désigne pour compléter sa liste s'il n'y a pas de réserve. S'il y a de la réserve, automatiquement ça monte. Mais si, comme moi par exemple, on est 10, un part en mutation, on va me demander de désigner une nouvelle personne qui va siéger en remplaçant la personne qui est partie, et c'est en priorité le délégué titulaire. Évidemment, si par exemple j'étais malade ou pas là, on interrogerait donc le suppléant. Donc les postes de titulaire et de suppléant sont super importants parce que c'est quand même eux qui vont déposer les listes et ils auront d'autres missions. Donc faites-y attention. Maintenant, je vous dis, le suppléant, si vous lisez les textes, c'est bien indiqué aussi bien en CAP, CCP et CST, c'est peu. Et n'oubliez pas qu'un représentant délégué de liste, c'est n'importe qui à partir du moment qu'il est désigné par le syndicat. Voilà, à plus tard, au revoir.